sur le terrain pour ouvrir les hostilités. Bonjour à tous, ici Jim Johnson et Bob Bifford. Hein? Il leur manque un autre joueur vedette. Je flaire une faiblesse. Je me demande si l'autre équipe aussi. Ça, un champion! Ah, moi je dis, faudra qu'il fasse ses preuves sur le terrain. S'il finit le match avec toutes ses dents, là, il aura mérité qu'on lui donne du champion. Ce joueur est le maître à jouer de son équipe. Si la formation adverse le laisse faire, je ne donne pas cher de sa peau. La météo est parfaite, rien à redire là-dessus. Cette équipe a l'air au taquet, non? Je connais cet air, Jim. C'est celui d'un joueur en pleine confiance qui a mis le paquet à l'entraînement. Voilà les pom-pom girls qui débarquent. Béni soit-elle. Est-ce que c'est bien fair play, Bob? L'une des deux équipes est manifestement plus forte que l'autre. T'as pas fini de te plaindre des fois? Le fair play et le blue ball, ça n'a rien à voir! La clé du match, c'est les blitzers. De bons guerriers et d'excellents coureurs avec ça. Les paysans ont aussi d'étranges compétences qui peuvent être efficaces. Mais Bob, au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais passeur? Ah, je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. Non, mais le mauvais passeur, bon, bah, c'est le gars qui a un ballon, il voit un truc qui bouge, il passe. Et le bon passeur? Le bon passeur? Eh ben, c'est le gars, il a un ballon, il voit un truc qui bouge, il passe, mais... Mais? C'est pas la même chose. Il y a le bon passeur et il y a le mauvais passeur. Thank you.
porte du parfum, Jim? Non, c'est une fragrance. Rien à voir avec du parfum, Bob. Tu aimes? Ça s'appelle Charogne numéro 5. On retrouvera peut-être ce joueur plus tard, s'il se réveille. À quand un peu d'action? Si ça continue comme ça, je retourne regarder un épisode de Game of Gnome. Il sprint! Espérons qu'il tiendra bon. Il ne fait pas bon se retrouver là. Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Il va se faire aider! Cette espèce de...
insister, va. Le combat paraît inévitable. Celui qui veut pas passer pour un con, il lui faut le ballon. Hé, ça arrive. S'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Viens au secours de ce joueur. Ça va faire mal. Non, mais il faut jouer collectif. Enfin, pas moi, mais vous aussi. Et Nelva doit le soutenir. Espérons qu'NFL va sourire à ce lancer de Deacon. NFL sourit toujours, Jim. Mais souvent, c'est pour se foutre de notre gueule. Soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Ce joueur se rapproche d'un coéquipier. Enfin, comme on dit, pas de pain, pas de gain. Pour Cabal Vision, j'entends.
portez-la comme des piquets. Par les baloches des NFL, Jim! Il s'attaque au porteur du ballon! Est-il vraiment raisonnable de lui marquer le coup avec des bottes loutées? L'arbitre a donc tourné! Un peu si raisonnable! Bah, c'est pas banal, ça. Le coach en demande beaucoup à son joueur. Ce joueur est à terre et entouré par les... Ça risque de ne pas être beau à voir. J'ai l'impression qu'il a l'air un peu sonné. Ça joue bien. Pas spectaculaire, mais ça joue bien.
ne m'y attendais pas. Et à ce que je vois, il y a... J'espère qu'il sait ce qu'il fait avec de tels adversaires dans le coin. Oh, bah c'est pas banal ça. C'était tout sauf gagné d'avance. Mais c'est passé pour cette fois. Je préférerais encore me faire uriner dessus par un chien de corne que de me mettre en travers de sa course. Touchdown! Imaginez la frustration, si près du coup de sifflet. Touchdown! Le match est lancé pour de bon. Mikao, est-ce que je voudrais revenir dans le match? Ça m'étonnerait. Ils ont un joueur de moins. Rien n'y rattrapable. Ils ont botté le ballon à l'équipe gagnante. Attention, ils risquent de leur revenir plus vite qu'ils ne croient.
Les joueurs galopent de partout, Bob. Tu étais du genre galopeur, toi? Pas du tout, Jim. Je restais collé à la ligne médiane et j'attendais que mes victimes me tombent dans les bras. Seul. Ce joueur préfère se battre entouré. Fais la force, comme on dit. Allez, les gars, tous ensemble! Pris le ballon. Je suis censé dire quelque chose de marquant ou de spirituel? Il empêche son adversaire de poursuivre. Il faut en découdre mano à mano, Bob. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses... Et vous pouvez arrêter! Il est parti! Le joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Encore à terre! Cette équipe sera-t-elle fascinée par les asticots? Yeah.
bénéficie de soutien. Quel sale petit futé! J'ai presque envie de rappliquer sur le terrain et de lui clouer les pieds par terre à ce trois quarts. Tu sais quoi, Jim? Je sais chanter. Oh non, par pitié. Vraiment? Oh! Oh! Pas la peine d'être méprisant. Coach personnel dit que j'ai une belle tessiture de baryton. Ce joueur est à terre et s'apprête vite. Ah! Sale quart d'heure. Je parie 5 pièces d'or que ça commence par un coup de botte. En pleine face! Ouais! Ouille, ouille. Oh, misère! L'un des coachs a enfreint la réglementation en matière de pot de vin! Du coup, l'arbitre va devoir être, comment dirais-je, honnête! Attention! Ça va picoter! Yeah!
cher pour le remplacer. Ce joueur a quitté le match et peut-être aussi son enveloppe charnelle. C'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Je ne garantis pas que ce joueur soit encore debout au début du prochain tour. Si c'est le cas, il y a du touchdown dans l'air. Vers le porteur du ballon pour le bloquer. Et si ça donne rien? Oh, désolé de te couper, JP. C'est là qu'on voit la suite. Un petit somme, et il nous reviendra peut-être tout à l'heure. Allez les gars, tous ensemble! J'ai vu des gadins, mais celui-ci rejoint direct mon top 3. Et si il roule dans les orbites, ça ne trompe pas. Il va rester dans les vapes un bout de temps. Thank you.
J'adore. Assister à un incroyable rebondissement dans les derniers sursauts du match. Glisser aussi bêtement, ça affiche un sacré coup sur la caboche. Il s'est emmêlé les pinceaux. Si ce joueur réussit, il mérite une augmentation. Attraper le ballon si tu passes ton temps par terre à te tordre de douleur.
supporters. Ils vont être furax. On se remue. L'une des deux équipes a déjà plusieurs joueurs KO. Ils ont des joueurs de moins. C'est mission impossible. Ah, plus que tout, ils doivent conserver la possession du ballon. Une contre-attaque serait terrible. Soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Tiens, on demande un McMurtys et les toilettes. Je crois qu'on en a pour un moment. Cette formation permet d'avancer sans trop de risques. Ça va être dur de leur arracher le ballon. C'est comme je veux, Antonio. Faut virer les couches externes pour arriver à ce qui est bon. C'était un match.